Bonjour. Oh putain. Je ne savais pas que vous viendriez par là. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais ça, j'en veux pas, ça. À la limite, vends-le, mais c'est de la merde. Je suis sûr que tu te sens soulagé. Alors. Protection. Ouais, mais en fait, elle me met les protections. Elle pue la merde, quoi. Après, je suis stylé, mais elle pue la merde. Putain, y a rien d'améliorable. C'est chaud. Non, en fait, il me dit tout, tout est négatif. Et vraiment, à part l'arc, non, ça fait chier. Oh, il daigne me laisser l'aider. Ça coûte cher cette merde. Est-ce qu'il y a autre chose? Putain, mais y'a rien à améliorer. Hein. Bah, avant tout ça. Se casser. Quoi ça? Wow! Ce bâtard. Oh les patates qu'il met, regardez la vitesse. Moi je comprenais pas le truc. Bon, c'est pas le tout, mais j'aimerais bien l'attraper. Putain, j'ai voulu l'esquive. Oh, j'ai un trait de PV.
Non mais là ça vient chaud en vrai. Hein. Mais je vais pas rouvrir ce truc, hein, c'est mort. Je me taille. Au secours. Serait de vous aider. Bonjour. Non mais je sens que je fais plus rien là. Je les dégâts, rien. Enfin pas dégâts, mais c'est surtout défense. J'ai l'impression de prendre trop cher pour rien et ça m'en fout. Moins 10 quand même, moins 13. À la limite, ça c'est plus intéressant. Où est-ce qu'on va maintenant? Vitalité, défense, ouais. C'est chaud. Comme donne de la chance, ça peut être pas mal. On peut y aller maintenant. Ta gueule. Putain, il est affreux ce gamin là. Je crois que je vais mettre ça. Hein. La dernière seconde, j'ai fait. Ouais. Où est-ce qu'on va maintenant? Ouais, j'ai 110 en défense, c'est vraiment la vitalité où je pue la merde. Le doigt de faire ça hein, sans vitalité, c'est quand même chaud de fou. Hein. En vitalité, Rune, ça fait quand même plus 19 quoi, c'est énorme. Ça fait un moment qu'on est ici. Il est affreux ce gamin. C'était quoi déjà? C'était récupération. Bah vas-y, je mets vitalité. Je trouve récupération, c'est ce qu'il y a de plus faible aussi, mais bon. Oui, moins 7. C'était tout, juste, j'ai juste mis l'inverse en fait. Ouais, monte 100% de gueule. Ok, au moins de 7% de la vitesse de communication. Ok. Ah vas-y, je vais faire ça.
Faire ça comme ça, je. Putain, regarde, bah on l'avait perdu. C'est quoi ce budget là? Ok, tac tac tac, ouais. Je peux pas faire grand chose de mieux. J'avoue, ça par contre, c'est très pratique. Oui. Ça fait du bien. Arrêtez, vous deux. Ce silence commence à être pesant. T'inquiète pas pour ça. On se concentre. Il m'énerve, ce gosse. On peut plus de ce gosse en vrai. Kratos, c'est un peu un gamin quand même. Moins 23 en rune. Un peu trop quand même. Un petit peu trop pour moi. Nous quand y même. Sommes presque. Enfin. Atreus, la rune. C'est quoi ici?
Encore ? La putain. Waouh. Chant, on va pas pouvoir y aller, il va avoir une connerie. On a réussi. Magnifique, n'est-ce pas ? Je me souviens d'un jour où... Mon frère, attention ! Eh bah, qu'est-ce que je disais ? Laisse-les partir, prends-moi leur place, je ferai tout seul. Voilà. Pendant tout ce temps, j'ai clairement besoin de toi. Mais tu ne sers à rien. Finalement, c'est le garçon, le cerveau, hein. Non. Laisse papa faire tout le sale boulot à ta place. Lâche-moi. Calme-toi, tu n'es pas encore prêt. Je suis prêt. Atreus. Sérieux? Oh mais le gamin. Non mais je vais l'enculer. Et moi qui pensais que ma famille était complètement tarée. Non mais là c'est trop Atreus. Atreus. Ton père a raison, petit. Tu es loin d'être prêt. Dis, tu veux bien tenir ça pour moi, s'il te plaît. Ouais, le bâtard. Il y a vraiment un dos d'un dragon. Non. Voilà, esquive. Voilà. C'est un coup de pied de spartiate, ça. Oh, stylé. Ouh, ah. Oh le bâtard. Ma fante. Ah faut que je remonte moi.
compris, hein. Il veut qu'on s'encule, on va s'enculer. Hein. Allez, ouvre les portes. Je sais que tu vas ouvrir les portes. Tu vas m'accueillir. Ah non, c'est moi. Oh la musique. Et quand le pont s'ouvrira, toute la colère d'Asgard s'abattra sur toi. Vraiment? Vraiment? Casse le Bifrost. Je crois qu'il a un moment vite fait, il a mis une patate à son fils. Ouh le lag. Ouf. Atreus. Je suis là. Ne bouge pas. Ouh, j'ai des petits lags, hein. J'aurais dû te laisser dessous là. Maintenant tu vas m'écouter sans dire un mot. Je suis ton père, et toi, mon garçon, tu n'es pas toi-même. Tu t'emportes trop facilement, tu es imprudent, désobéissant et incontrôlable. Je ne tolérerai pas ça. Tu vas faire honneur à ta mère et revenir sur le droit chemin. Il n'est pas trop tard. Cette discussion n'est pas terminée. Nous sommes là par ta faute, Atreus. Ne l'oublie pas. Daron qui met la pression là. Eh bah dis donc. Je m'étire un peu là. Ouah. Je fais un petit réglage. Je vais sauvegarder. Quand même que je suis tout le temps en train de descendre parce que ça j'ai des ralentissements. Tu vois ça? Hop. 27, ouais. Bon. Ah, fait chier d'être retourné ici. C'est ça, elle. Ce n'est pas elle. C'est la pire partie de elle où l'on pouvait tomber. Je vois un navire. Emmène-nous là-bas. Ce n'est qu'à mi-chemin du temple de Tyr. Mais ça nous éloignera d'ici. Pendant plus de 1000 vies, le gardien du pont a empêché les vivants de venir ici. Mais tu lui as arraché le cœur et voilà. Quelle étrange coïncidence. Atreus. C'était pas moi.
Ah neuf. Fils de merde! Mais nique ta mère, toi! Oh, mais... Oh, je vais péter un plomb! Je vais péter un plomb! Je vais péter un plomb! Oui, j'ai compris, j'ai compris. Oh, j'allais péter un plomb. Non, mais c'est chiant. C'était moi. Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Ne regarde pas, Atreus. C'est ce que j'ai dit à ta mère, juste avant de la prendre. C'était pas moi. J'aurais jamais fait ça. Bah si. Ça se passe et penser. Pas ici. Oui. Bah tu l'as fait, Atreus. De vous continuer. D'accord. Tu nous as foutu dans la merde. T'as le gosse. Qu'est-ce que c'était ? Elheim n'accueille pas que les anciens et les malades, les criminels aussi. Elle ne doit pas faire la différence entre nous et ceux que ces visions sont censées torturer. Comment arrêter ça ? Quitter elle, aussitôt que possible. Je me laisserai pas perturber. Comme tu l'as dit, Mimir, c'était qu'une illusion. C'était pas moi. Non. Mais c'est celui que tu es devenu dernièrement. D'accord. J'espère qu'on est là par ma faute. Je vais arranger ça. Je vais arranger ça. Toi, tu suivras mes ordres. C'est peut-être pas ma nature. Il vaudrait mieux. Laisse-moi me concentrer. Je ne voudrais pas te bousculer, mais tu peux faire plus vite. Je dois réfléchir. On va savoir ça. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, on me fait tout chier. Hein. Bon, je pense que on finira pas le jeu ce soir. Hein. Ça, par contre, je suis giga triste. Bon, par où je passe là? Parce qu'il me manque aucune énergie là. Ah, ok. Je suis pas assez observateur en vrai. Hein. Bien sûr, t'as soigné. Hein.
je vais péter un plomb. J'aime pas trop ça. On bat les couilles. Non mais je l'ai... Esquive ! Merde ! Non mais... Je suis niqué par les recoins, j'en ai marre... C'est un truc de merde ça. Frère, c'est beau mon frère. J'ai envie de péter un peu. Je vais venir fou je crois. Hein. Oh, je prends le dégât là-dessus. Ah, voilà. Et là, il m'a même pas laissé le temps de le faire. Aïe. Wouh. Oh c'est bon. Merci. Enfin. J'en pouvais plus. Non mais là j'en pouvais plus là. Attends, je crois que je vois Baldur droit devant. Daisy ! Il parle avec quelqu'un. C'est une meuf ? Non ? Oui ? Il parle avec la sorcière ? Ah oui. Tu n'avais pas le droit, sorcier.
Je ne sens rien, je ne sens rien, je ne sais même pas la température qui fait ici. Les cristaux, les mousses, les femmes. Tu m'as tout pris. Mais tu n'y prendras jamais plus la douleur. La mort n'a pas d'emprise sur toi. Tu préférerais mourir? Que de ne plus rien sentir. Oui. Oui. Je préférerais mourir. Oui. Libère-moi, mère. Je ne peux pas. Je t'en prie. Je t'en prie, libère-moi. Ça ne marche pas comme ça. Je t'en prie. Mon fils, fais-moi confiance. Plus tard, tu me remercieras. Tu me remercieras. Vas-y. Fais-le, allez. Ah ouais, ça se taille lui-même en fait. Je ne veux plus jamais te revoir. Plus jamais. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde ce que tu m'as fait. Freya et sa mère. Pourquoi nous l'avoir cachée, Tête? Si je te disais que ça m'a échappé... Je suis rien. Tu n'en crois rien. Oh, je suis confus. Je t'assure que je n'ai aucune raison de garder une telle chose secrète. Voilà le bateau. Nous en reparlerons bientôt. Et ouais. C'est évident. Faites le catch. Vous me faites tout chier. Quel chaos. J'aurais beaucoup à faire une fois que je t'aurais tué. Qui c'était? Nous devons faire vite. C'est qui? C'est la tête de Zeus, géante. Je ne suis pas certain qu'il puisse naviguer. Il faudra. Non. Et maintenant ? J'ai besoin d'espace. Tu en as assez fait. Tu ne sais rien. Simplement.
Parfait. Mais n'oubliez pas, ce bateau ne peut que nous rapprocher. Le temple de Tyr est au sommet d'une immense chute d'eau et, hélas, nous sommes en bas. Même si nous y arrivons entiers, il nous faudra encore remonter la cascade. Les vannes ont construit le plus grand navire qui soit. Ils volent. Kisblasnir. Oui, parce qu'il était conçu pour. Pas celui-ci. Peu importe. Nous n'avons que ce bateau. Nous ferons avec. Sur ce qui doit être le plus grand iceberg que j'ai jamais vu. Au moins, le feu nous réchauffe. Et maintenant ? Ah, feu débloqué ? Laisse ton père réfléchir. Casse tout. Une découpe ? Regarde bien ce qui se passe. Maintenant, les voiles sont libres. Regarde. Incroyable. Elle nous fait flotter. Putain, mais quel génie, Kratos. Ah, ça, c'est un peu chiant, ça. Et nous revoilà coincés. Pas pour longtemps. Reste sur le bateau. C'est incroyable. Ah ouais, ça fait une grande lanterne volante. Comme une montgolfière, en fait. Que c'est fini. Même si l'on rejoint Midgard, Baldur et toi avaient détruit la seule porte menant à Jotunheim. On ne peut plus rien faire. Et le garçon, il souffre mille morts. La tête lui tourne tellement qu'il est en train de... Atreus n'est pas ton problème. Il pourrait bien devenir le problème de tous si tu n'y fais rien. Pas besoin d'être l'homme le plus intelligent du monde pour s'en rendre compte. Atreus. Je peux t'aider ? Ensemble. Mais casse-la avec tes poings, là ! On a réussi !
Oula, qu'est-ce qu'elle fait la caméra? Affronte-moi, père. Il est temps d'en finir. Oh mon Dieu. Il est temps. Non. C'est encore cette voix. Est-ce que tu sais qui c'est? Je ne sais pas. Je sais très bien qui c'est. Petit cachotier. Non, 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 non. Sauvegarder. Attends, pour cela, je me... Oh, faut se réparer. C'est bon, hein. Elle faisait quoi, celle-là? On était plus en récupération. Tous les dégâts de brûlure infligés effet cumulable jusqu'à... Ah, c'est quand même intéressant, ça, hein. Ouais, c'est la vitalité, je disais, ouais. Iceberg, à bâbord ! Accroche-toi ! Ou ça fait plus de dégâts là? What? Quelque chose nous bloque! À bas bord! Archon! Je nous détache! Derrière toi, frère! Oh, ils veulent nous faire chier. Non, les lames du chaos, c'est vraiment quelque chose de giga pratique, hein. Sacré trou. Hein. Ted, combien de temps avant d'atteindre le temple? Oui, on va geler. Si on parvient à maintenir cette vitesse et que les flammes ne s'éteignent pas, on y sera en un rien de temps. Le feu est éteint. À tribord.
Allez, tombe dans le vide, toi, voilà. Non, mais en vrai, les lames du chaos, c'est... Plus tu tombes comme ça, là, les mecs te sautent dessus, ça met des patates, c'est trop. What? Le feu était éteint et du coup je suis tombé, c'est ça? Cassé couille. Bon chier. Je vais me mettre en fait sur un feu et je vais faire que de le protéger. Ouais, il me fait chier lui, Atreus tire. Mais vite, Atreus! Vite! La personne qui est en haut! Côté droit! Je veux dire, à tribord! Non, mais c'est moi qui m'en occupe. Non, mais allez, c'est moi. Vous me faites chier là! Bon, Atreus sert à quelque chose et encule ce gars en haut. C'est trop, hein. Ah ouais, je peux me monter un peu. En fait, tout à l'heure, je me suis pas payé le pont, en fait, un truc comme ça, en fait. Simplement. Mais vous me faites chier, Jeanne Delon! Bon, vous me faites chier, là, vraiment. Ouais, là, c'est... C'est juste. Bon, la flash bang là.
Ouais, me casse les couilles. Ouais, me casse les couilles. Putain, on est juste à côté de l'oiseau là. Là, ça fait du bien. Bon, l'oiseau, il est où? C'est ça l'oiseau là? Non? Tout à l'heure, on était juste à côté de l'oiseau là. Il est où l'oiseau? Imbattable avec ses lames. Bon, nique ta mère, toi! Oh, lui, il me rend fou! Oh, il m'en est tout fou! Arrêtez! D'autres harpons! On est encore arrêtés! Ouais, non, mais là, c'est trop. Non, mais là, c'est trop. Alors, toi, déjà, on va commencer par toi, là. Il m'a cassé les couilles à faire le mec qui me tapait, là. Non, là t'abuses, frérot. Je vais utiliser ça histoire d'enchaîner là. Ah, déjà. Bah y'a plus de trou en fait. Oh t'abuses là, je suis en train d'appuyer. En fait c'est un radeau volant là actuellement. Il est temps mon fils. Oh putain. Regarde tout ce que tu as fait. Oh putain. Oh putain. Moi putain. Fais-moi te taper. Ah,
comment il lui a fait « Tu as vu ?» C'était ça ton idée ? Vous êtes tous les deux malades. Nous quittons ce royaume, maintenant. Si seulement on n'avait pas détruit le chemin du retour. Du royaume. Objet en épique. Ok. Ah ouais. Excuse-nous. Merde. C'est quoi, ça faisait juste un plus 4? Bah allez, boum. Oh, le œil du royaume qui carie. Oh, c'est pété. Merci, œil du royaume. Je pense que c'est là qu'Odin recherche les meilleures pistes sur Yotunheim. Oh non, je vais faire tout du premier coup. Nous sommes chez Odin. Je reconnaîtrai son mauvais goût entre mille. Ah ouais. Regarde, c'est le panneau manquant à propos de tir. Odin a dû le voler. Mais pourquoi ? Il a toujours ses raisons. Je peux voir. Eh bien, c'est une surprise. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça dit ? Je n'en ai aucune idée. Étonnant, hein ? Tête. Là, voilà Tyr. Il voyage, j'ignore comment, peut-être par magie. Mais ça n'explique pas pourquoi les géants lui ont construit un hôtel. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces runes dans les coins ? Ce ne sont pas des runes, mais des symboles d'autres contrées. Ils représentent... La guerre. Oui. Il y en a une qu'on reconnaît. Je ne connais que trop bien celui-là. Oh. Ses yeux, ce sont des joyaux. Comme les tiens. Ça symbolise sûrement le don de clairvoyance que les géants nous ont accordé. Rapproche-moi, s'il te plaît. Ouf. Intéressant. Très intéressant. C'est que dans Harry Potter. Des plans secrets cachés par Tyr auxquels lui seul avait accès. Très ainsi que les rares personnes à qui les géants faisaient confiance. Et juste sous le nez d'Odin. Je vous avais dit que je vous conduirais à Jotunheim. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as dit que nous n'avions plus d'autre choix. Tu ne comprends donc pas ? Odin n'a jamais perdu espoir et on doit faire pareil. Il savait qu'un indice se cachait ici, mais c'est nous qui l'avons découvert. Ce sont les dessins d'une clé ouvrant une chambre que Tyr gardait secrète. J'ignore où elle mène et ce que nous y trouverons, mais c'est un passage. Comment fabrique-t-on cette clé ? Je suggère de demander à Anne. Le symbole sur la porte du temple, ce sont des runes assemblées. Paix, unité, espoir, et d'autres choses encore. C'est l'œuvre de Tyr. C'est lui qui a fait cette porte. Bon. Je crois qu'on va bien... On va pas tarder. Seulement 23h20. Tout à l'heure...
ce que tu as vu. Oh. Je n'ai rien vu. Tu ne m'as pas vu avec quelqu'un? Un vieillard. Quel vieillard? On peut y aller? Oui. Comme tu veux. Ah, t'as le somme, hein, tu voulais en parler. Très bien. Retournons à Midgard pour fabriquer cette clé. Où est le nain? Que je l'entends, et pourtant je le sais. Mais quand je pense à Baldur et Freya, je... Lumière ? Oui, mon enfant. Freya. Qu'y a-t-il, mon frère ? Tête, dis-moi quel est le point faible de Baldur. Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Hé, qu'est-ce qui se passe ? Un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait. Vraiment ? Mais oui, c'est l'évidence même. Oh, je me demande bien depuis quand. Quand elle a eu ma tête entre les mains ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur? Mimir? Oui, mon enfant. Tu viens de dire que tu connaissais le point faible de Baldur? Ah bon? Pourtant, Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Oh. Assez. Cela signifie qu'il y a un moyen. S'il se dresse encore contre nous, nous le trouverons. Voir ce que c'était. Comment il fait? Mais oui! Tu peux la fabriquer. Est-ce que c'est une arme? Une armure? Ou le genre de matériel de guerre dans lequel je suis pour ainsi dire le meilleur? Non? Alors n'y compte pas. Même si je voulais fabriquer une telle babiole, je risquerais de débrécher mes outils en forgeant une chose si délicate et si... Oh, c'est quoi? Alors martèle-la. Damasse l'objet avec des scories renforcées, affine les couches au maximum et superpose-les. Sexiste. Ok, gros malin. Et où est-ce que tu penses pouvoir trouver un éclat de cette qualité? La dernière fois que j'en ai vu un, j'étais encore capable de lever mon gourdin. C'est pas vrai, c'est vraiment... Où t'as trouvé ça? J'ai dû me salir les mains. Reste pas planté là. Allez, au boulot. Mais ça ne te dérange pas de travailler sur autre chose qu'une arme? Bah, pourquoi pas. Quoi? Moi aussi, je peux changer. Hé, protège ton dos. Détends ton poignet. C'est toi qui vas te détendre. Allez, plus de température. Chaudement? Tu vas renforcer cet acier encore longtemps? J'ai pas besoin de ça. Je vais tremper trois fois dans l'huile de drogueur. Oh, tu vois? Très astucieux. Et génique. Tu es malin comme un singe. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Hein? Tu l'as dit. Fini. Et voilà. Oh, n'oublie pas ça. Oh, arrête de sourire bêtement. Ça me perturbe. C'est drôle. Ça fait plaisir de vous voir réunis. Mais la rune de votre marque a l'air différente. C'est ce qu'il en coûte, de reforger une chose cassée. Je le savais. Vous vous adorez. Oh, arrête ton cirque, sale mioche. Tu vas me faire pleurer.
J'aime encore plus la nouvelle. Pas vous ? Nous n'avons pas que ça à faire. Homme du chaos, oui. Là, j'ai vu niveau combien? 7! Ah, mais moi, je suis loin de tout ça, là. La merde, c'est la meilleure ça. Ça, je peux pas. En fait, je peux rien améliorer encore là-dessus. Hein. Bon, l'âme du chaos, on a dit qu'on pouvait, donc on améliore. J'ai des idées. Petit, vous avez pensé à autre chose? Ouais. Bah c'est un peu la merde, non? On part sur quoi? Bah du normalement le temps de rechargement des flèches, les ennemis ont l'air subissent plus de dégâts, en mode tir rapide la dernière flèche un peu plus de dégâts, les flèches tirées par Atreus quand il est en l'air inflige des dégâts supplémentaires, ok. Monte énormément les dégâts de corps à corps infligés par Atreus, ok. Les ennemis étranglés par Atreus et plus du gain augmentent les dégâts d'étourdissement infligés par les attaques au corps à corps. Ok. Non mais lui il était bien, je prends lui. Tu sais, être petit, ça protège déjà. Il y a moins à frapper. Et puis qu'est-ce qui te fait envie, mon grand? Ouais, oh, je suis ça y est, on a choisi.